De ce programme-là aujourd'hui, bien-aimé, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. L'onction amène voix. L'onction amène le cœur de celui qui est en face de toi à se soumettre. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit son statut, quel que soit son cas, l'onction amène la grâce de Dieu à se manifester en ta faveur. Amen. Amen. Est-ce que tu veux la recevoir? Amen. Est-ce que tu veux la recevoir? Amen. Est-ce que tu veux la recevoir? Amen. Le jour où j'étais dans le programme et j'ai compris le sens et la valeur de l'onction concernant ma vie, ma manière de voir a changé, ma manière de parler a changé, ma manière de marcher a changé, même la manière dont l'argent rentre dans ma poche a changé. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une question de plusieurs années. Ce n'est pas une question de dizaines d'années. C'est une question de maintenant. Vous comprenez? C'est une question de maintenant. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, dans le livre d'Hébreux, la foi est une formation des choses qu'on espère. Mais les anglophones disent maintenant la foi. Tu adores un Dieu de maintenant. Tu adores un Dieu spontané. Tu adores un Dieu qui agit. À s'exercer d'une rapidité totale afin que tu sois toujours stable pour servir ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça en fait le rôle de l'onction. Vous comprenez? C'est ça en fait le rôle de l'onction. L'onction crée. Et dans cette création, il y a toute une activité surnaturelle qui se fait. Donc, Dieu, le créateur de l'homme, a pris des prédispositions afin que l'homme puisse avoir des yeux, des oreilles, une bouche pour parler, un cœur qui est le moteur central de la circulation sanguine. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? L'onction crée toutes les possibilités nécessaires pour ton épanouissement, pour ton bien-être, afin que tu ne manques de rien. On n'a jamais pas dit que je ne manquerai de rien. 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 À cause de l'option. De l'option. De l'option. De l'option. Dis amen. Vous voyez, les choses deviennent possibles par l'onction de l'esprit. Bien aimé, des gens m'ont enseigné que la foi est une faible absolue des choses qu'on ne voit pas. Pour moi, je dois voir. Pour moi, la foi, c'est voir quelque chose et te donner la possibilité pour atteindre, quelles que soient les difficultés. J'ai vu que je dois atteindre, quels que soient les problèmes. J'ai vu que je dois atteindre, quel que soit ce qui n'est pas. Dieu m'a dit que je serai prophète, je serai prophète. Dieu m'a dit que je serai homme d'affaires, je serai homme d'affaires. Même si je suis dans une famille où on me persécute, c'est ça la foi. Je prends mon taxi, je vais aller à Bobo.
j'ai une destination. Je suis dans le taxi, quelles que soient les embûches, quels que soient les obstacles, je ne dois pas me retourner, mais je dois foncer jusqu'à la destination. C'est ça la foi. Parce que même personne qui a cette vision de voir l'objectif, de voir le but, parce que son Dieu, c'est un Dieu de perspective. Donc, elle se donne les moyens, elle se donne la capacité. Alors, l'objectif devient un aimant qui attire. Et si l'aimant qui t'attire, qui est le Saint-Esprit, tu réussiras, tu seras élevé et rien ne pourra aller contre ta bénédiction. Personne ne pourra aller contre ton appel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me saisis? Amen. Donc, voilà ce que je veux t'expliquer. Arrête de faire des calculs. Mais saisis l'onction et possède ce que tu veux. Si tu veux voyager, tu passes une fuite, tu fais un pied, tu passes. Pourquoi? À cause de l'onction. Amen. Si je veux 2 millions, tous, je passe un coup de fil. Après demain, j'ai ces 2 millions. À cause de l'onction. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui aime ses intérêts. Donc quand tu es moins, tu es choisi par Dieu, tu es désigné par l'onction. Partout où tu vas mettre les pieds, l'intérêt de Dieu va se manifester. Donc Dieu fait tout pour ouvrir. Les portes pour ouvrir. Les portes pour ouvrir. Les choses à partir du procès. De crainte d'aller poser ton CV quelque part. Mais tu vas te dire, si j'arrive dans cette entreprise, si j'arrive dans cet endroit, c'est parce que Dieu va se manifester là-bas. Tu vas toucher des cœurs, tu vas toucher des hommes, tu vas toucher des femmes. Il va même exposer, élever l'entreprise afin que la gloire lui revienne. Afin que ce que j'ai demandé par rapport à la prospérité pour bénir l'église, pour bénir les hommes de Dieu, pour faire des programmes sur Abidjan et sur ses environs s'accomplissent. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je viens de recevoir la pensée de quelqu'un qui a demandé cela à Dieu. Qui a dit, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Je veux faire les affaires. Ouvre les portes. Afin que l'argent que j'aurai, cet argent-là, je puisse faire des programmes. Je puisse bénir tes serviteurs. Si cette personne-là est là, qu'elle se lève parce que Dieu va. Levez-vous. Aïe, aïe, aïe. Verset 5. Voyez que le message de Dieu est la vérité. Alléluia. Vous qui êtes levés, vous les 5, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, mûrissez cette pensée-là. Marchez avec ça. Dormez avec ça. Et croyez en ce que Dieu va faire. Parce que Dieu est là. Levez les mains là où vous êtes. Et je vais invoquer le Dieu du pouvoir, je vais gérer. À se manifester maintenant sur vous. Afin que vous ayez ce dont vous avez besoin pour le servir. Car Salomon devait servir le Seigneur, devait bâtir le temple. Alors Dieu, dans sa préscience, a vu cela et Dieu rendra Salomon riche. Pendant que je parle, les portes s'ouvrent dans vos vies. Vous tous levez ici, qui avez levé les mains, vous tous qui vous attendez à cela, l'Esprit de Dieu est en train de vous remplir. Parce que derrière, Dieu t'a touché. Oh, Dieu est en train de se manifester sur toi. Parce que les portes sont déjà ouvertes. Et les 2 jours de programme là ont déclenché une activité surnaturelle. De sorte que là où tu rentres, Dieu entre avec toi. C'est quoi l'Esprit de Dieu est sur toi? Merci Seigneur. Reçois-le. Reçois-le. La puissance de Dieu, pendant que je touche cette femme, frère, il y a une notion qui va se libérer derrière sur la soeur qui a arrêté là. Vous allez voir que elle aussi sera sous l'onction parce que le temps de la prospérité est arrivé. Reçois cet argent au nom de Jésus. Tu
vas prophétiser sur des personnes. Et Dieu va ouvrir des portes dans leur vie. Parce que c'est ce don que Dieu t'a donné pour parler. Et quand ces portes-là seront ouvertes dans leur vie, je vois des hommes d'affaires, je vois même des hommes politiques. Et ces personnes-là verront l'accomplissement et ils te béniront. Je vois des enveloppes, je vois des millions qui arrivent sur ta vie, le soir. Et ça commence en début de l'année. Parce que c'est une autre dimension de la prophétie qui va se manifester. Ça ne sera plus ce que tu vis, mais ça sera une autre dimension. Parce que tu seras, oui, une femme de pain, une femme qui parle et en même temps ça arrive. Une femme qui parle et en même temps la grâce de Dieu se manifeste. Que Dieu te révèle les cœurs des rois, les cœurs des gras, riches, et cette onction te fera passer partout. Et les fruits seront nécessaires pour l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, tu reçois la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Tout ce que je touche maintenant, vous recevez cette onction. Les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus, je vois une restitution qui arrive dans ta vie financière. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de descendre sur toi. Reçois-le. Au nom puissant de Jésus. Pas de gloire, merci Seigneur pour ta grâce. Amen, amen à moi. Viens aussi. Alléluia. Je vous dis la vérité, vous allez voir en début de l'année toutes ces personnes qui sont venues dans ce programme là, l'onction va créer des choses et la pauvreté va disparaître de l'église. Merci Seigneur pour ta grâce. Prends-le. Au nom puissant de Jésus, reçois ton frère. Aide-le. Il est rempli. Reçois-le. Pour nous. Pour nous. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Aide-le à aller s'asseoir. Aide-le à passer un pacteur. Dieu est en train de la moindre. Au nom de Jésus. Bien. Et Dieu a cette possibilité, cette capacité de moindre ses enfants afin de les rendre prospères par la puissance et la démonstration de l'onction. Que tes mains soient chargées et remplies. Je produis la main sèche. Que l'huile qui apporte la prospérité te visite au nom de Jésus de Nazareth. Tu viens me parce qu'un ange content de me remplir maintenant. Fort, oublie un temps de gloire à cause de ton cœur, à cause de ce que tu as cru, ta main qui se manifeste. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Viens avec moi, je reçois l'onction! Je reçois l'onction! Je reçois l'onction! Bébé, mon message est en train de tirer à sa fin. Mais Dieu ne vient pas toucher chacun. Je suis en train de vous dire de comprendre quelque chose de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Il y a un temps où nous allons dans la chambre, nous prions, nous jeûnons pour avoir l'onction de Dieu. Mais il y a un temps où nous devons voir les fruits de cette manifestation. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu restes dans la prophétie pendant des années, si tu parles la langue pendant des années, tu pries même pour des gens, ils sont guéris et que tu n'as pas reçu la vision de la parole et de ton appel, de ta vocation qui est la provision pour te permettre de servir Dieu, tu vas avoir l'impression de tourner en rond et pourtant l'Esprit de Dieu est sur toi. Est-ce que tu me comprends? La volonté de Dieu est utile et nécessaire pour toi. La volonté de Dieu est utile et nécessaire pour ton avancée, pour ta famille. Vous savez, quand Dieu a dit à Abraham, va quitter ta maison, il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Tu ne peux pas être une source de bénédiction si la gloire spirituelle n'est pas l'équivalence de la...
la gloire terrestre. Il faut qu'il y ait équivalence. La balance doit être équilibrée. Donc si je suis point, mon option va représenter les finances. Si on a mes finances, doit représenter aussi mon option. Alléluia. Nous gagnons du temps. Vous voyez que au temps de Jésus, au temps de l'église primitive, il n'y avait pas d'avion. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y avait pas de jet privé. Il n'y avait pas le système informatique dont nous disposons maintenant. Donc, Paul, qui devait faire un voyage en une journée, a obligé de faire 5 mois. Alléluia. Or, nous, avec la tête, vous savez, quand tu veux quitter en France pour aller au Danemark, par exemple, tu ne peux pas emprunter le TGV. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau, il y a l'océan. Mais quand tu vas en Belgique, tu peux utiliser le TGV. Donc, le fait qu'il y ait l'océan, ça veut dire que si on était au temps de l'église primitive, on devait aller en bateau et puis perdre le temps. Mais avec le développement de la technologie, en 1h45, tu arrives au Danemark. Alléluia. Je suis en train de te dire que si Dieu te donne ces moyens-là, si Dieu te donne un jet privé, Dieu te donne des voitures, pourquoi tu ne prennes plus de taxi? Dieu te donne le moyen informatique, le système sonore. Dieu te donne tout, tu peux gagner du temps. Et les hommes de Dieu, comme Bénin, on n'a pas l'occasion de les croiser toujours. Comme Tibi Joshua, comme Christ pour la kilomètre. Mais par les médias, vous voyez par la télévision, vous voyez leurs yeux. Est-ce que vous me comprenez? Donc le temps est arrivé. Où nous devons quitter vraiment dans une dimension limitée. Et nous devons monter. Nous devons avoir nos propres moyens. Nous devons avoir une structure qui nous représente. Une structure qui nous ressemble. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Celui qui a les moyens arrive à servir Dieu dans le temps. Et les moyens nous permettent de prier et dans une dimension de gloire. Vous voyez que celui, par exemple, qui ne prie plus pour de l'argent, gagne du temps. Mais celui qui prie encore pour 10 000 francs, pour 50 000 francs, il est en train de perdre son temps. Parce que celui qui l'a déjà est passé à une autre dimension. Amen. Oh, est-ce que tu as le Jésus? Est-ce que tu as le Jésus? Est-ce que tu as le Jésus? Alléluia! Peut-être que Dieu a dit, à mon temps, si j'avais les moyens dont nous on dispose maintenant, il dit, je n'allais pas perdre mon temps, j'allais gagner du monde. Mais le temps est arrivé où réellement les enfants de Dieu que l'onction du Saint-Esprit doivent impacter ce monde-là dans la puissance financière. Amen. Dis amen. 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 Et on dit que nous devons avoir des structures. Nous devons avoir des magasins. Nous devons avoir des cars. Nous devons. Je suis venu, j'ai vu tout, même l'ITB là. Alléluia. Mais tous les chrétiens, on peut créer quelque chose qui est au-delà de l'ITB. Amen. Ce n'est pas compliqué. Je suis entré en contact avec des grands entrepreneurs, des fournisseurs, de présenter un projet. Et le projet qui est présenté va toucher leur cœur. Et ils vont financer. Vous croyez que pour être riche, souvent, on a besoin d'argent pour être riche? Non. Souvent, il faut que tu aies un projet. Oh, quel est ton projet? Quel est ton projet? Quel est ton projet? Le projet représente le choix, la paix et la manifestation divine dans ta vie. Vous comprenez? Donc, un chrétien va bon marcher, va bon aller dans les programmes, dans les croisades. Mais si tu n'as pas de projet par rapport à ton notion, tu vas perdre le temps. Mais il faut que tu aies des projets par rapport à ton notion, par rapport à ton appel, par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi, pour que tu puisses marcher sur la même direction, le même itinéraire que le Saint-Esprit, afin que vous puissiez aboutir. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus pourrait dire que personne ne peut pas marcher ensemble s'ils ne se connaissent pas. C'était une dimension de gloire. Une dimension où le Père connaît son Fils. Le Fils connaît son Père.
Même dans le mariage, quand vous vous connaissez, quand ton mari n'a pas besoin de l'eau, tu sais qu'il n'a pas besoin de l'eau. Quand il va boire du coca, tu sais que c'est parce que tu as mis le coca là qu'il veut boire. Alléluia. Donc vous gagnez du temps. Donc la réaction divine, la manifestation divine devient spontanée. C'est pourquoi je disais à des gens qu'à une certaine dimension de la manifestation de l'Esprit de Dieu et de l'onction de Dieu, la puissance de ta réflexion attire vers toi le fruit de cette réflexion. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, dans cette phase, tu gagnes du temps et tu peux opérer sur plusieurs fronts, dans plusieurs domaines. Parce que l'autre va prier pendant des heures, mais il n'a pas la puissance de la réflexion. Mais toi, tu as cette puissance-là. Tu peux regarder quelqu'un et tu lui dis, sois guéri. Et automatiquement, la guérison que tu vois dans ton esprit arrive dans sa vie sans faire des prières de 10h, de 40h. Tu peux dire à quelqu'un, reçois l'argent. Et l'esprit de prospérité que tu as eu en toi est communiqué en la personne. Tu peux matérialiser quelque chose dans la vie d'une personne en pensant simplement à cette chose et en lui donnant une capacité et une force surnaturelle, divine et puissante. Amen. Oh, dis avec moi, je veux cette dimension. 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 Oh, si tu n'as pas une forte réflexion, tu auras une petite option. Mais si tu as une forte réflexion, tu auras une grande option. Oh, si tu n'as pas une haute réflexion de la richesse, une haute réflexion de ce que tu veux. Oh mon frère, ma soeur, c'est ce qui se passe dans ton esprit qui va se réaliser. Alléluia. Amen. Si tu veux un nez, c'est un nez qui va venir vers toi. Mais si tu veux un géant, c'est un géant qui veut venir vers toi. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Qu'est-ce qui mûrit tes pensées? Tu veux un guet privé, il va venir. Mais si tu dis, moi je suis plus dans cette dimension, il ne viendra pas. Parce qu'il y a des gens qui ont l'onction, mais l'onction ne se manifeste jamais parce qu'ils ont un langage en bas. Toujours quand on leur dit les choses de grandeur, les choses de dimension, ils disent, ça c'est pour vous, hein? Nous on est en bas de vous. Donc quand toi tu es en bas, tu seras toujours en bas malgré l'onction. Parce que l'onction devient opérationnelle. Quand toi tu marches selon elle, ça veut dire quoi? L'onction est élevée. L'onction voit grand. L'onction voit dans les hauteurs. L'onction plane. L'onction fait les choses que ton voisin n'a jamais vu, que ton frère n'a jamais vu. Mais quelque chose qui va arriver afin de surprendre les gens. Parce que si la chose qui arrive ne surprend pas les gens, ça ne va pas apporter la... le respect dans ta vie. C'est pourquoi Dieu prépare cela. Mais est-ce qu'il y a des gens de dimension? Il y a des gens qui réfléchissent. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se limiter à ce programme-là et retourner dans la médiocrité? Ou des gens veulent saisir cette option et rester dans une dimension de gloire? Yeah. Alléluia. Il me reste 3 minutes. Dis avec moi 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Bien aimé. Après ce voyage, je suis en Guadeloupe et Martinique. Parce que moi, je voyage dans l'esprit. Tu voyages où? Tu vas où? T'es toujours en propos. T'es toujours au déplateau. Alléluia. T'es toujours ça. À comme on dit, tu vas où? Dans ton esprit. Même dans ta poche, tu voyages comme moi-même. Tu as 10 000 francs. Hein, tu vois comment? Non, on marche, on prend les raccourcis. Hein, on connaît la route, on est fatigué. Tu vois comment? Alléluia! Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu imagines? Oh, bien-aimé! Le jour! J'étais en prière. Vous comprenez? J'étais en prière. Et j'ai vu les blancs. Le mois qui s'y va, je suis allé vers les blancs. Mais avant la fin de prière, je voyais les noirs. Alléluia! Mais attends! C'est pas ça, on a fait cellule ici. Il a une cellule de prière. Tous à prier son robot, chacun maman l'a caché. C'est pas ça, c'est la cellule là. À part ça là,
il n'a plus de vision. Si tu pas venu, ils ne sont pas venus. Ah, Dieu n'est pas avec moi. Ils sont toujours trois dans ma cellule. Mais il ne voit même pas au-delà de sa cellule là. Il va dire Dieu l'a appelé pour deux personnes, pour trois personnes. Mais Dieu l'a appelé pour les nations. Ça y est, compris ça. Ça y est, compris ça. Je dis, où sont les blancs? Je connais mes yeux. J'ai commencé à les voir. J'ai fermé mes yeux, j'ai commencé à les voir, où sont les Allemands? J'ai fermé mes yeux, j'ai commencé à les voir. Les jours qui suivaient, il y a une fille qui m'appelle, elle dit prophète, j'ai reçu une vision sur toi, tu iras en Europe. Et ce que tu dis là, c'est la vérité. Alléluia. Tu as fini avec la Côte d'Ivoire, tu dois aller dans les nations, revenir dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne doit pas être un territoire où tu vas t'asseoir toute ta vie, mais la Côte d'Ivoire doit être un territoire où tu viendras pour le temps où tu veux et que tu touches certaines grâces, certains territoires afin d'obtenir des visions et une ouverture de l'esprit pour pouvoir faire des projets. Même le président Alassane Ouattara, quand il veut développer ce pays-là, il va à l'Occident. Et puis il revient. Toi, tu vas où? Alléluia. François Hollande est allé vers les Anglais pour parler d'entreprise. Parce qu'il sait que le partenariat là, entre eux, là, ça va marcher. Est-ce que tu comprends? Tu vois, on a l'option, on n'évolue pas, on ne grandit pas, parce qu'on reste sur un territoire où l'option que Dieu veut mettre sur nous est au-delà de ce territoire. Donc ça ne peut pas marcher. Alléluia. Dieu veut te donner 20 millions, toi tu es encore dans 1000. Dieu veut te donner 1 million, toi tu es encore dans 1000. Alléluia. Mais faites des prières qui vont toucher des trônes. Parce que les prières que vous faites, ce sont des prières quand Dieu regarde, Dieu me dit que vous êtes en train de les insulter. Parce que de les insulter, parce que vous ne savez pas que l'onction qui est sur vous là, vous amène à demander des choses grandes. Amen. Seigneur, donne-moi 10 000, l'autre dit donne-moi 15 000, l'autre dit donne-moi 100 000, l'autre dit donne-moi 1 million. Dieu a trop entendu ça. Mais si quelqu'un se lève, il dit je veux 10 milliards. Dieu dit c'est qui ça? Parce que c'est une prière rare, c'est une parole rare. Alors je dois le regarder, je dois le fixer, je dois faire attention à cet homme-là. En ce moment, quand Dieu te regarde, c'est que les anges vont venir. Quand Dieu te regarde, le ciel t'a vu. Quand Dieu te regarde, le monde t'a vu. Oh, je veux que les gens se tiennent debout maintenant. Alléluia. Écoutez-moi bien. Peuple de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est pas rien, papa. Le langage de la grandeur. De la hauteur. Yes. Alléluia. Yes. Et imposez-moi les mains aux malades, les malades seront guéris. On est venu ici. On a parlé avant de Jésus. Je suis en train de parler encore. Après, ces éléments, on veut vous voir dans la prospérité. Peut-être que je reviendrai dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois ou dans 1 an. Mais à mon retour, je dois voir des guérisons dans cette église. Je dois voir des hommes prospères dans cette église. Je dois voir des femmes prospères dans cette église. Je dois voir des femmes stériles enfantées dans cette église. Je dois recevoir des messages où des gens m'ont dit, oh oui, ce programme à la Mecca m'a élevé, m'a amené dans une dimension de hauteur. Ce programme a changé ma vie. Ce programme a changé ma manière de voir. Ce programme a changé ma manière de penser. Commence maintenant à demander tout ce qu'il veut à Dieu pour son ministère, pour sa maison, pour son avenir, pour son mariage, pour sa famille, pour ses enfants. Que tout le monde parle! Parce que Dieu va vivre. Le ciel va visiter ses enfants. Oh, priez!